Donc, né le 25 septembre 1832 à Fairhaven, au sud de Boston, Genet est issu d'une famille d'armateurs. Son père, William Proctor Genet, et son oncle maternel, William le baron Gibbs, étaient à la tête de l'une des principales sociétés baleinières de la ville. L'objet principal de cette pêche était la fabrication d'huile qui constituait alors le combustible d'éclairage le plus répandu, et les fanons de baleine pour la confection de corsets et de parapluies. Après des études au collège local, il fréquenta l'établissement militaire de la région, l'Unity Scientific Academy, puis s'embarqua brusquement à 17 ans pour un tour du monde. Les raisons de son départ furent sans doute le milieu portuaire, les romans de Melville, dont le fameux Moby Dick or the Whale, et l'incitation de son père, qui souhaitait le voir prendre sa succession et l'envoyait probablement prospecter à San Francisco. Son voyage dura 17 mois et s'acheva à New York en janvier 1851. À l'aller, il fit une escale à Valparaiso et au retour aux îles Sandwich et aux Philippines. Si à San Francisco, il vit brûler en 1850 les constructions de bois et de toile et constata la bonne résistance au feu des édifices faits en pierre, il fut intrigué à Manille par les constructions assez curieuses qui étaient faites en bambou. En janvier 1851, William rejoignit sa famille à Boston, où elle s'était repliée après une faillite due à l'arrivée des nouveaux modes d'éclairage. Désireux de s'installer comme ingénieur à Manille, il décida d'entrer à la Lawrence Scientific School, école dépendante de Harvard. Mais il en fut visiblement déçu, regrettant la faible part consacrée aux sciences de l'ingénieur. Il entendit alors parler de l'École centrale des arts et manufactures, dont le programme d'enseignement avait été diffusé largement par un prospectus à l'étranger et attirait déjà des étudiants venus de toute l'Europe et du continent américain. Avec l'accord de son père, il envoya sa candidature à l'école accompagnée d'une lettre de recommandation d'Henri Eustis, son professeur d'ingénierie de la Lawrence Scientific School, puis s'embarqua pour la France en juin 1853. Fin octobre, il passa l'examen d'entrée, testant ses connaissances scientifiques, ses capacités au dessin et bien sûr sa maîtrise de la langue française. Une fois reçu, outre ses cours à proprement parler, il profita de son séjour à Paris pour observer l'architecture et les techniques de construction de cette ville nouvelle, voulue par Napoléon III et réalisée par le préfet Haussmann, visitant autant que possible les grands chantiers de voirie, d'établissements industriels ou ferroviaires et des grands monuments publics. Pour ne prendre qu'un exemple, certes le plus magistral, il se rendit sur le chantier de construction qui reliait le Louvre aux Tuileries, sur lequel travaillait sous la direction d'Hector Lefuel, son compatriote Richard Morris Hunt et son répétiteur, le centralien Caius Bénard. Trois ans plus tard, le 18 août 1856, il obtint son diplôme, classé 11e de sa spécialité de construction. À Centrale, il s'était lié d'amitié avec Edward York, dont le père venait d'être chargé de construire une route planchéiée au Mexique, préalable à un chemin de fer transismique jusqu'à l'océan Pacifique. Pour superviser ses travaux, York embaucha ses deux fils ingénieurs, Edward et Ogden, et recruta l'ami de son fils, William Genet, récemment diplômé. Ce passage très court à travers l'isthme devait permettre au nombre croissant de migrants de la Nouvelle-Orléans de rejoindre la Californie et de faciliter le commerce entre la côte ouest et la côte est, et même vers l'Europe. Les travaux d'ingénierie étaient tous préparatoires pour rendre la chaussée carrossable et ouvrir la voie ferrée, y compris dans le passage accidenté de la cordillère des Andes. Or, construction d'entrepôts, de logements pour cadres et ouvriers, déblais, remblayage et construction de ponts correspondaient parfaitement à ce que Genet avait appris dans ses cours de travaux publics. Il y resta trois mois avant de rentrer à cause de la panique financière de 1857. Mais à peine revenu du Mexique, un autre compatriote rencontré à Paris, William Rolofson, lui fit une proposition. Il s'agissait de travailler à Paris pour une société qui voulait introduire de nouveaux fours à fonctionnement automatique mis au point par Hiram Bernham, connu pour sa machine à amalgamer l'or et son fusil à répétition, que les investisseurs espéraient installer dans les boulangeries militaires. Le choix d'un ingénieur américain de formation française était judicieux
pour introduire en Europe ces nouvelles machines. Ses cours de thermique industrielle et surtout de chimie agricole lui furent très précieux. Mais même si le procédé suscita un vif intérêt, il ne fut adapté ni par la France, ni par aucun autre pays d'Europe. De ce deuxième séjour à Paris, Genet garda surtout le souvenir d'une vie bohème, car après avoir fait les dessins du bâtiment destiné à exposer ses machines, il reconnut lui-même « j'avais peu de choses à faire, si ce n'est les correspondances du bureau ». Il passa donc son temps dans les ateliers des peintres et au musée, copiant les tableaux et faisant des études d'après nature. Après cette première expérience, Rolofsson toujours, vice-président d'une autre société développée autour du Marietta Cincinnati Railroad, vint en Europe chercher de nouveaux fonds afin de relancer les travaux qui développeraient l'exposition du Buckhead, sorte de schiste bitumineux, via cette ligne ferroviaire. Pour convaincre les investisseurs européens d'y placer leurs capitaux, il confia à Genet le soin d'émettre des avis sur l'emplacement des voies et sur toute autre question technique. Ce plan ci-joint, sur la droite, prouve sa participation à une étude sur le prolongement de la ligne ferroviaire de Loveland à Cincinnati, mais la découverte du pétrole mit fin à cette ruée vers le Buckhead. Genet ouvrit alors à Cincinnati une première agence d'ingénieurs architectes avec Frédéric Rolofsson, le jeune frère de William. Mais la déclaration de la guerre en avril 1861 changea radicalement le cours des choses. Poussé par William Sherman, Genet rejoignit en mai l'armée nordiste en cours de constitution à Cairo. Nommé ingénieur adjoint, il participa à la construction de fortifications destinées à renforcer la jonction de l'Ohio et du Mississippi. Puis il fut affecté à l'état-major de Grant, sous les ordres du général Webster. L'équipe d'ingénieurs supervisait la réparation des routes et des ponts, réalisait des missions de reconnaissance, évaluait les divers ouvrages de défense et rassemblait les données nécessaires à l'élaboration des cartes. Pour cette ingénierie militaire, Genet mit à profit tout ce qu'il avait pu apprendre en matière de construction, de génie civil, de topographie, mais aussi de mécanique quand il s'agissait de déplacer la flotte dans l'urgence. En mai 62, Grant devint général en chef de l'armée de l'Union et fit très souvent appel aux services d'ingénieurs pour réaliser relevés topographiques, déblayages aux constructions, afin d'assurer le ravitaillement des troupes en marche, aspect essentiel d'une guerre où la rapidité de mouvement constitue un élément décisif de sa tactique. Genet y fut aidé par une équipe d'esclaves fugitifs, les fameux contrabands, sans doute peu formés à ce genre de travaux, mais son sens de l'improvisation et sa capacité à diriger une main-d'œuvre disparate lui permirent de mener à bien cette mission semblable à celle expérimentée avec les Indiens du chantier de Tehuantepec. Puis, nommé major, il participa à la bataille de Vicksburg en tant qu'ingénieur en chef de l'état-major. En avril 1865, il fut muté hors des zones de combat au service topographique de Saint-Louis, chargé de dresser les campagnes de Sherman, qui servirent à illustrer ses mémoires publiées dès 1875. Durant cette période cruciale de l'histoire américaine, il se trouva donc constamment aux avant-postes des combats du bassin du Mississippi, où se joua le sort de la guerre. Dès la fin des hostilités, il souhaita retourner à la vie civile, comme l'atteste sa démarche auprès de Frédéric Olmsted en décembre 1865, auprès de qui il sollicita un emploi d'architecte paysagiste. Mais ce fut de nouveau grâce à William Rolofsson qu'il trouva un poste en mai 1866 à la Humboldt Refinery. Outre la direction de cette raffinerie, Genet géra durant un an les mines du charbon du comté de Mankin avec l'exploitation de schistes bitumineux sur des terrains pétrolifères acheminés vers Cleveland et Chicago, sans doute son premier contact avec la ville qui deviendra sa fierté. Les cours de Jean-Baptiste Dumas sur la distillation et ses équipements, tubes, tuyaux et valves, lui furent utiles, même si cet enseignement portait sur des raffineries de sucre et des distillations d'alcool, mais c'était le même principe. Au printemps 1867, il épousa à Chicago Elizabeth Anna Cobb, issue d'une famille d'éditeurs libraires de Cleveland, et ouvrit une agence d'architectes-ingénieurs avec Sanford Loring, qui avait récemment pris des parts dans une fabrique de récipients en terre pour l'horticulture.
Ce fut sûrement leur intérêt commun porté à ces matériaux, briques, tuiles et surtout terracotta d'ornement, qui rapprocha les deux hommes. Ils publièrent ensemble un ouvrage en 1868, Principles and Practice of Architecture, qui détailla leur récent chantier. Les ornements de l'église de style néo-gothique, édifiée en pierre d'Iowa, proche de la pierre de Caen utilisée à Paris, rappellent ceux de Viollet-le-Duc. La présentation d'une maison à loyer parisien prouve l'intérêt tout particulier que Genet portait au principe d'un immeuble superposant plusieurs appartements, lui qui était habitué aux maisons américaines individuelles et isolées. Ce principe d'empilement d'étages répétitifs joua d'ailleurs un rôle dans sa réflexion ultérieure sur les immeubles de grande hauteur. Ce pouvait être, nota-t-il, un investissement profitable et bénéfique pour la ville, les constructeurs et ceux qui les occupaient. Une autre planche, en bas, présente des cités et logements ouvriers, dont ceux réalisés par le centralien Émile Muller à Mulhouse, qui a été cité déjà ce matin, par ailleurs fabricant de céramique et de terracotta. Les qualités techniques, décoratives et économiques de ces matériaux sont d'ailleurs détaillées dans un chapitre recommandé pour toutes sortes de constructions. Enfin, sont présentées des résidences d'inspiration néo-gothique ou renaissance, élevées pour des riches habitants de Chicago et alentour, dont le général John Webster, connu à l'état-major de Grant, ou le colonel James Bowen. Ce dernier avait été désigné représentant du Middle West pour l'exposition universelle de 1867, et dès son retour, il demanda à Genet de lui construire un chalet sur le modèle de celui de Frédéric Le Play, nom que vous avez également entendu ce matin, le commissaire général de l'exposition parisienne. En 1874, l'Université de Michigan lui proposa un poste de professeur d'architecture. Il organisa cet enseignement en deux volets, comme un écho à celui reçu à Centrale, l'un consacré à l'histoire de l'architecture, l'autre aux techniques de construction. Le premier était largement fondé sur les entretiens d'Eugène Viollet-le-Duc, le second s'inspirait du cours de Louis-Charles Marie, qu'il actualisa. Enfin, il lança un projet d'une bibliothèque rassemblant une collection de dessins et une matériothèque, inspirée sans doute là aussi par ce qu'il avait vu à Centrale. Une fois installé à Chicago, devant le nombre croissant de ses chantiers, Genet s'entoura de nouveaux collaborateurs et devint chef d'agence. Sa première intention fut manifestement de la calquer sur le modèle des agences françaises en en faisant un centre de formation pour de très jeunes collaborateurs. Les mérites de cette formation sur le tas en furent rapidement connus car les jeunes apprentis architectes furent nombreux à venir de toutes les régions des États-Unis passer quelques années chez lui avant de songer à créer leurs propres agences. Irwin Pong, Adolphe Caldwell, Martin Roche, Norman Patton, Louis Sullivan ou William Olabert firent partie de ses élèves de la première heure qui conservèrent envers Genet respect, considération et amitié. Il orienta son agence essentiellement vers trois secteurs, la construction de résidences, l'aménagement paysager et la construction d'édifices commerciaux. Très vite, effectivement, Genet fut sollicité pour la construction de résidences privées par son réseau familial et amical ou par des hommes d'affaires. Le style château-esque, lancé par Richard Hunt quand il revint de France après ses études à l'École des Beaux-Arts, connut assez rapidement un grand succès auprès des Américains, récemment enrichi de la côte Est, flatté de posséder une résidence inspirée de l'architecture française dans les banlieues arborées ou les stations balnéaires récemment installées au bord des lacs. D'ailleurs, déjà avec Sanford Loring, Genet avait puisé dans ce vocabulaire décoratif pour des villas éclectiques et des cottages plus champêtres. La conception générale de ces maisons était très soignée. Les façades étaient composées d'une alternance de plans saillants et rentrants, soulignés par la présence de perrons, balcons à balustrade, tourelles d'angle et auvents voûtés. Solidement implantés dans le sol par un soubassement imposé, rehaussé de refends, les murs étaient décorés de motifs de faible saillie, frises, petits corbeaux ou mâchicoulis. Des galbes découpées alternaient sur les fenêtres à meneaux ou lucarnes. Si la composition de ces maisons était un assemblage de structures composites imbriquées les unes dans les autres, les matériaux employés pour ces constructions, pierre, brique ou stuc, restaient très simples. Genet exerça également une activité d'urbaniste et de paysagiste dans l'aménagement d'espaces urbains à Chicago et alentour. Il participa activement à trois grandes opérations, la mise en place
de parc à l'ouest de Chicago, l'aménagement paysager du cimetière de Graceland et la construction de la nouvelle ville de Riverside à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville. Dans chacun de ces chantiers, il fut confronté aux nombreuses questions soulevées par la création d'un jardin paysager. Ces lieux, destinés à la promenade, à la résidence ou au recueillement, nécessitaient d'importants travaux d'assainissement et de drainage du terrain, puis des opérations de terrassement, de voirie et de canalisation des eaux, suivaient après la question des plantations, eaux de futaie, arbustes décoratifs et plantes à fleurs, et enfin la construction de petites maisons. Or, durant ces études, toutes ces questions étaient en cours d'élaboration à Paris et sa proche banlieue, que ce soit dans les villas et hameaux, les lotissements paysagers, l'important chantier du Bois de Boulogne ou le cimetière du Palais-Lachaise. Enfin, même s'il avait mis fin à son association avec Loring dès août 1869, Genet conserva toute latitude pour en multiplier les usages dans les constructions qu'il entreprit d'abord avec Louis Schemmerhorn et John Bogart, puis seul à partir de 1873. Ainsi, il se servit largement de la brique de la Terracotta Company, de son ancien associé, pour ses premiers immeubles commerciaux, à commencer par le Portland Bock, édifié en 1872. Ce bâtiment de commerce et bureaux était porté par des colonnes extérieures de briques pressées et à l'intérieur par des colonnes et des poutres en fer. Sa construction fut saluée par les contemporains et assura une première notoriété à Paris. Il poursuivit avec le Mason Building, toujours en 72, puis le Lakeside Building et celui du Starkweather Building. À Lake Geneva, sa station balnéaire près de Chicago, Hiram Curtis lui convient en 1974 la construction du Metropolitan Block. Ce bâtiment commercial tout en briques à la façade italianisante, percée de hautes baies, abritait au rez-de-chaussée 3 magasins, au deuxième étage des bureaux et une salle de conférence, au troisième étage, une grande salle de réunion pour le Geneva Lake Herald. En 1876, il fut rappelé pour une nouvelle prospection ferroviaire concernant l'extension vers l'ouest de la ligne du Texas and Pacific Railway via Fort Worth, pendant que son jeune frère, le géologue Walter Proctor, était chargé par cette même compagnie d'une campagne d'exploration ferroviaire vers le Pacifique Nord et de confirmer la présence d'or dans la partie ouest des Black Hills au Dakota du Sud. Petite précision, cette campagne militaire fut escortée par un détachement auquel participa Martha Canary Burke, que tous les lecteurs de Lucky Luke connaissent bien sous le nom de Calamity Jane. Comme quoi la petite histoire rejoint quelquefois la grande histoire. Cette mission permit à Genet de se familiariser avec les questions sidérurgiques à un moment où les entreprises américaines modernisaient leurs laminoirs à rails d'acier et commençaient à se préoccuper d'en diversifier la production vers les marchés du bâtiment. Dans les années suivantes, son activité fut surtout centrée sur la construction d'immeubles de bureaux de grande hauteur, dont le rez-de-chaussée était réservé au commerce. Ces immeubles répondaient aux exigences des commanditeurs, entrepreneurs, banquiers et assureurs, et sur des parcelles étroites et dans un environnement déjà construit, l'enjeu était de résoudre non seulement la question de la structure porteuse, mais aussi les divers problèmes techniques liés à la hauteur de ces édifices. Chaque chantier était l'occasion d'innover en matière de construction, amélioration du système de fondation, utilisation de plus en plus abondante du métal, et à mesure que les bâtiments s'élevaient, perfectionnement du contreventement. La complexité technique obligeait les acteurs de la construction, architectes de Chicago et fabricants de Pittsburgh, à travailler ensemble pour trouver des réponses aux contraintes nouvelles imposées par ces constructions révolutionnaires et développer des matériaux originaux. Les cours sur le fer, la fonte et l'acier, puis son expérience d'ingénieur militaire, l'aidèrent certainement à mener à bien de tels chantiers. Le point de départ de sa réflexion sur les immeubles de grande hauteur à structure métallique fut le Leiter Building, dont le chantier lui fut confié en 1879. Je le considère comme la première tentative sérieuse de construction à ossature métallique, bien que ne fût pas totalement fireproof. Commandé par l'entrepreneur Levi Leiter, le bâtiment consistait en un grand magasin de seulement 5 étages, destiné à abriter des surfaces de vente et d'entrepôt. Ses piliers extérieurs en briques étaient renforcés par des colonnes en fonte, ce qui permettait de les amincir et d'augmenter ainsi la surface vitrée.
mais il n'était pas encore question de structure générale porteuse en métral. Avec ses poteaux intérieurs en bois, le lighter gardait un aspect traditionnel, mais sa principale caractéristique était d'être très largement vitré afin d'offrir le maximum de lumière intérieure. Vint ensuite le Home Insurance Building. Genet fit le choix d'une ossature métallique, car ce bâtiment de 10 étages reposait sur une couche d'argile très malléable et compressible sur environ 10 mètres de profondeur. Il posa donc chaque pilier sur le sol de façon indépendante. Il dut aussi réduire le rôle porteur des maçonneries des deux façades sur rue, afin de pouvoir les amincir et les alléger au maximum. Il les plaça sur un assemblage de poteaux et de poutres en métal, rappelant ce que Émile Müller, déjà cité également ce matin, avait imaginé pour la chocolaterie Meunier à Noisiel, dont vous avez vu une image ce matin, vous voyez que vraiment nous sommes dans le même réseau, ou encore ce que Viollet-le-Duc avait préconisé dans ses entretiens. Les poteaux furent prévus en fonte, ce qui était logique, puisqu'étant porteur, il travaillait en compression, et les poutres en fer, soit tout aussi logique, puisqu'elles devaient résister à la traction. Ce qui était réellement novateur, utiliser l'acier au lieu du fer, ne fut considéré que comme accessoire car il ne concernait que les étages supérieurs. Genet fut encouragé par la Carnegie Phipps Company qui s'était lancée dans la fabrication de poutres laminées profilées. 4 ans plus tard, Eiffel renonça à l'employer pour sa tour, craignant un manque de recul sur ses propriétés mécaniques, surtout lorsqu'il était percé de trous de rivets. L'assemblage se fit à l'aide d'écrous et de boulons, ce qui n'était pas très novateur, alors que depuis les années 1850, les Européens, à commencer par Eiffel, avaient introduit des structures rivetées. Ce n'est qu'en 1892 que Genet commença au First Store à employer des rivets. D'autre part, sur ce chantier, il utilisa un nouveau type de plancher fireproof, que vous voyez en bas à droite, mis au point par l'architecte Peter White, composé d'arches plates larges de 6 pieds, constitué de briques creuses de 9 pouces d'épaisseur, dont 2 de ciment. La collaboration avec Loring avait incité Genet à explorer les ressources de la terracotta pour jouer sur l'interaction entre l'ornement et le bâti, profitant du caractère ignifuge, économique et décoratif des carreaux. Au Home Insurance, les parements de terracotta n'étaient apposés sur les façades ni pour masquer la composition de l'édifice, ni pour y jouer un rôle purement décoratif, mais pour en souligner la structure architecturale. Les motifs s'inspiraient de la nature par leur dessin et le choix des couleurs utilisées. Ces argiles cuites répondaient enfin bien aux exigences de rapidité propres à Chicago. Les charges sont tellement énormes que la totalité des travaux doit être achevée en 12 mois. Nous devons avoir des matériaux qui puissent être fabriqués par des machines en grande quantité dans des délais très courts, disait-il. Effectivement, ce chantier colossal démarra le 1er avril 1884 et l'immeuble fut livré un an plus tard, en mai 1885. Destiné à abriter de nombreux petits bureaux, le bâtiment devait être largement évidé pour que chacun d'eux puisse bénéficier de la lumière naturelle par une fenêtre. Vous voyez en bas à gauche combien il était éclairé. Il fallut donc réduire le nombre de piliers intérieurs afin de récupérer le maximum d'espace intérieur. Enfin, un récent type d'ascenseur à cabine métallique fut installé dans l'espace central. Bien aéré et éclairé, il modifia la hiérarchie sociale des étages. Le 10e étage, le plus élevé, devint ainsi le plus noble et abrita les services de direction. D'ailleurs, Genet y installa son agence et vous voyez que son équipe allait y prendre le frais sur le toit pendant les pauses. L'annonce de la tenue d'une exposition sur le modèle de l'exposition universelle de 89 de Paris excita les curiosités. L'hebdomadaire très populaire, le magasin pittoresque, entreprit fin 1892 l'apparition d'une série d'articles destinés à faire connaître cette ville lointaine, avec une sorte de reportage sur la vie à Chicago qui présenta cette ville en surtension, soulignant les grands immeubles du centre-ville, l'auditorium et le Rookery. Et le bâtiment tout entier repose sur un sous-sol artificiel fait de rails d'acier dont les intervalles sont remplis par du ciment, dit-il. La direction générale de l'exposition fut confiée à Daniel Burnham, devenu un architecte renommé et ayant été un ancien assistant de Genet.
Très tôt, il associa son ancien maître à l'élaboration de cette Columbian sphère, ce qui explique sans doute une lettre de Genet envoyée à Gustave Eiffel dès le 13 août 89 pour lui demander l'autorisation de construire à Chicago une tour analogue. Comme vous voyez à gauche, malgré un cher camarade, la réponse fut une fin de non-recevoir assez sèche. Le long d'une Lincoln Park face au lac Michigan, Genet et Mundy furent chargés d'élever l'Horticultural Building, vaste serre à trois dômes, directement inspirée de ce qui avait été réalisé à Paris en 78 et 89. Genet y testa la construction de différentes charpentes métalliques et le décor extérieur fut inspiré de l'église Saint-Marc à Venise, confiée au sculpteur Lorado Taft, qui avait fait ses études à Paris, lui aussi, à l'École des Beaux-Arts. Pour la délégation des ingénieurs civils, Genet organisa une visite du chantier du New York Life Insurance Building, bâtiment de 12 étages qu'il venait juste de démarrer. Il leur fit valoir le rôle novateur de son ossature exclusivement faite en acier et son système très particulier de fondation à piliers. Du point de vue décoratif, le revêtement était en granit pour la partie basse et en terracotta à partir du troisième étage jusque dans son attique. D'ailleurs, un système complexe de vérin permis en 1898 de le soulever afin d'introduire deux étages un par un. Celui d'ossature métallique pouvait permettre cette façon d'opérer, vous vous en doutez. Un soin particulier fut porté à l'aménagement intérieur. Éclairé à l'électricité, ventilé et chauffé, il fut protégé contre l'incendie par un compartimentage strict des murs. La décoration de marbre et d'acajou était particulièrement fastueuse. Commencé fin juillet 1893, il fut livré au promoteur 8 mois plus tard, en avril 1894. Là encore, rapidité d'exécution absolument phénoménale. Si les Français ne furent pas séduits par les pavillons de cette exposition, ils furent impressionnés par les installations métallurgiques et mécaniques. Le New York Life Insurance Building les intrigua, certains percevant que sa conception était en train de bouleverser l'architecture et l'urbanisme. Jules Pilet fut sans doute alors l'un des plus clairvoyants. De retour à Paris, il introduisit dans ses cours à l'École polytechnique un chapitre sur les constructions américaines de grande hauteur, en le prenant comme référence et crédita même Genet de l'invention du système de construction à ossature d'acier. À son retour, Genet ralentit son activité d'architecte constructeur et se consacra davantage à la publication et à l'enseignement, activité qu'il affectionnait. L'occasion lui fut donnée en 93 par la réorganisation de la Chicago School of Architecture par William French, qui lui confia le cours de construction. Et à la même époque, Genet rédigea plusieurs articles pour la revue des architectes de l'Ouest, The Inland Architect. Textes autobiographiques et des articles plus techniques sur la construction et l'architecture. À l'exposition universelle de 1900 à Paris, Genet fit partie du comité permanent des États-Unis. Outre les stands particulièrement spectaculaires des entreprises sidérurgiques, une exposition consacrée au gratte-ciel à ossature d'acier prit place au rez-de-chaussée du Palais du Génie Civil et des Transports avec d'immenses maquettes démonstratives présentant les maçonneries d'un immeuble de bureau de 18 étages et quelques détails importants à grandeur d'exécution. Plaques d'acier soudées, portions de marbre ou parements extérieurs, appareils de chauffage et équipement des ascenseurs. Genet en fit une visite commentée aux membres du 5e congrès international des architectes venus du monde entier. L'une des sessions de ce congrès fut d'ailleurs consacrée à la construction à ossature d'acier en Amérique, avec une communication de Genet sur les aspects techniques de ce type d'édifice et une autre d'Alfred Hamelin sur leur décoration extérieure. Genet, dubitatif sur la qualité de son français, laissa le soin à Jules Pilet de lire son exposé qu'il fit suivre par des projections. À son retour à Chicago, Genet réduisit encore son activité. Il participa à la construction du National Bank et d'un mémorial à la bataille de Vicksburg, sorte de panthéon romain cylindrique édifié en marbre blanc, coiffé d'un dôme avec fronton à colonne, dont les 47 marches d'accès évoquaient le nombre des jours du siège. Ayant pris sa retraite en 1905, Genet quitta Chicago pour Los Angeles, où vivait l'un de ses deux fils.
Outre quelques recherches d'architecture locale, il rédigea des articles autobiographiques en s'appuyant manifestement sur un manuscrit rédigé dans les années 80. Il mourut à Los Angeles le 15 juin 1907. La presse américaine évoqua l'école centrale, ses séjours parisiens, sa participation à la guerre civile et son rôle, et il n'y eut en revanche aucun écho de sa disparition en France, ni aucune mention dans le bulletin des anciens élèves de l'école centrale, malheureusement. En 1928, le livre de William Starrett attira l'attention de Paul Morand, qui dans un article intitulé « New York » rendit un hommage appuyé à Genet et vanta les mérites du gratte-ciel. En 1986, la thèse de Théodore Durac fut la première biographie qui le fit sortir de l'oubli. Un colloque international organisé en 2012 fut la première biographie offrit l'occasion de revenir sur la question de l'innovation de l'ossature métallique dans les immeubles de grande hauteur et du rôle respectif des différents acteurs de cette période. De son propre aveu, Genet resta fidèle sa vie durant à sa formation d'ingénieur qu'il avait reçue à l'école centrale. Cette reconnaissance justifiait qu'on puisse envisager d'écrire une biographie vue de Paris, en faisant ressortir l'influence française sur sa carrière américaine. Ses recherches, reprises et complétées par l'exploration de toujours nouvelles archives et sources manuscrites que nous avons menées, Jean-François Bellost et moi-même, aboutirent, non sans mal, à la publication imminente d'un ouvrage reprenant les communications du colloque et faisant état de ses nouveaux apports, pièces justificatives à l'appui. Je vous remercie. Merci.